Entrez. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Lebovitz. Votre prénom? Jackson. Asseyez-vous. Quel âge avez-vous? 27 ans. Il me semble que... un caporal appelle un officier par son grade, en principe. Mon capitaine. Mais ce qui est peut-être normal pour un soldat est dur pour un civil. Mais vous n'êtes pas un civil. J'ai l'impression d'en être un. Félicitations. Vous avez déjà servi dans un hôpital, je pense. Oui. Capitaine. Allez-y, caporal. Mais je vais où? Eh bien, dites-moi un peu ce que vous avez appris. Bon, j'en sais rien. Voyons, au camp où j'étais infirmier, je... Non, je n'en veux pas, notre gouvernement, vous saisissez. Mais les animaux qu'on met dans un zoo étaient mieux traités. Ils m'ont fait bosser dans les salles nuit et jour, 10 mois, sans arrêt. On était écœurés. Vous ne devez guère cacher vos sentiments. Non, ça m'est très difficile. Voyons, dans quelle sorte de service étiez-vous? Tous les genres. Oui, mais encore. Bon, en chirurgie générale, chez les contagieux, où j'ai attrapé des tas de machins. En obstéto, c'était pour les femmes des officiers. Elles pondent si rarement que dans 20 ans, on n'aura plus personne à mobiliser. Avez-vous été en NP, en neuropsychiatrie? Chez les malades mentaux? Les cas relevant de la psychiatrie. Les dingues? Ils ne le sont pas. Mais dites, docteur, vous n'allez pas me mettre chez les dingues, hein, ça non. Ils ne le sont pas. Je tomberai de mort. Non. Une heure avec eux et je tomberai de mort. Asseyez-vous. Vous feriez mieux de me dire de me coucher, je suis déjà malade. Écoutez-moi. Docteur. J'ignore où vous allez chercher toutes ces histoires baroques, mais dans mon service, il n'y a que des déprimés. Et je ne suis pas à plaindre. Et moi, je ne suis pas à plaindre. Asseyez-vous. Oh, docteur. Allons, Lebovitz, c'est un service, disons, de tout repos et sans aucun danger, je vous jure. Les malades de mon service n'ont pas le droit d'avoir d'allumettes ou de lames de rasoir ou d'objets contondants. Mais ils ont des dents. Le service fonctionne depuis un certain temps et nous n'avons encore perdu aucun infirmier. Oh, ne tentez pas la chance, mon capitaine. Je cours le risque. Avez-vous des questions à poser? Pourquoi lever la main, Jackson? Je suis aussi surpris que vous, docteur, d'en avoir la force. Posez votre question. Mon capitaine, je suis touché par vos efforts pour me monter le moral, mais étudions bien les faits. C'est à l'encontre de ma volonté que vous avez voulu me prendre dans vos filets. Lebovitz. Mais enfin, quelle mouche vous pique. Vous avez l'air intelligent. Non, ne vous fiez pas aux apparences. Vous serez on ne peut mieux nourrir. Mais ça me coupera l'appétit. Vous avez toute ma sympathie. Je me fiche pas mal, docteur, de votre sympathie d'un psychiatre. C'est de la compréhension que j'attends. Le caporal Lebovitz se porte volontaire pour travailler avec nous. Mais mon capitaine, je... Voulez-vous que le sergent Kopp vous fasse visiter les lieux? Non, qui? Non, docteur. Bon, commencez par la salle, Arki. Mais mon capitaine, je... En route, Lebovitz. Ravi de te voir ici. Oh, attends un peu. Je vais peut-être bien déchanter quand tu me connaîtras un peu mieux. Hé, hey, j'entends drôle de bruit, mais qu'est-ce que c'est que ces bébés? T'as encore rien entendu? Ça, c'est des moutons qu'on élève pour des tests de labo. T'as pas envie de faire un petit gin rami ce soir? Non, je fais pas de projet d'avance. Je me contente de vivre l'instant présent. On en fera un excellent infirmier. Il sait ce que c'est que la souffrance. Vous dites la vérité? Est-ce que je suis guéri? Vous êtes aussi normal que chacun d'entre nous. Tout ce qu'il faut, c'est vous en persuader. J'espère que ça ne va pas traîner. Je viens de vous porter bon pour le service. Vous rejoindrez bientôt votre unité. Ah, oh, c'est vrai? Quand ça? Oh, je tâcherai de vous resquiller 10 jours de perme, 10 jours chez vous, dans votre famille, et après ça... Alors faites votre barda. J'ai besoin de votre lit. Je vous le donne, docteur. Je dois avoir un bus à 4 heures. Votre nouvel infirmier est assis sur une chaise et dirige le cœur des joyeux drilles. Tout à l'heure, il distribuera des bonbons. Et les gars, tout en cœur. Allez-y, bande de cinglés. Vous avez pas envie de sortir ici? Allez-y, chantez.